Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais réussir du coup à la faire rapidement, je suis contente. C'est donc une vidéo coloration, je vais essayer de faire vraiment au plus rapide possible. Je vous ai fait donc l'évolution de passer, enfin pour passer de brune à ça, donc qui est un blond foncé. Sachant que j'ai un pigment roux, je vais y arriver, en plus je suis enrhumée, c'est compliqué. Je voulais faire celle-ci le jour même, que je ne pouvais pas faire puisque du coup j'étais trop foncée. Là, à l'aide des shampoings bleus, j'ai réussi donc à éclaircir et je vais pouvoir la faire dessus. Donc, c'est la 723 Bali Dark Rose Gold. Ça rend comme ça. Alors pour moi, ça ressemble plus à un roux qu'à un rose gold. Mais peu m'importe parce que j'adorais le rendu sur la boîte. Donc, on va tester. Je vous dirai ce que j'en pense et je vous montrerai le résultat comme toujours. Donc j'ai bien tout ce qu'il me faut. Je vais mélanger donc hop celui-ci avec celui-ci et la petite capsule qui est là. Je mélange tout ça, j'enfile mes gants, ça c'est le soin pour après. Et je reviens tout de suite. Voilà, du coup donc application honnêtement grossière. C'est-à-dire que je vais faire à l'ancienne. Bien évidemment, on démêle ses cheveux avant, moi c'est fait, hop, mais je vais, elle pue, elle sent très 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 fort, waouh, j'ai senti en la mettant justement dans le, déjà en ajoutant les produits pour mélanger, ça sentait fort, mais alors là, ça sent extrêmement fort. Du coup là, je fais vraiment une application... à l'ancienne, j'ai clairement pas envie d'y passer trois plombes. Pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, je vais essayer de bien faire prendre ici. J'en fous partout. Je vais avoir les épaules fluo. Voilà. Et pour l'arrière, bon bah honnêtement, oh c'est rose, c'est très joli, ça pique les yeux. Hop. Bon, si vous avez les cheveux courts, vous pouvez vous permettre de faire comme moi. Si vous avez les cheveux longs, surtout ne le faites pas. Ça pique énormément les yeux, je vous jure que c'est très compliqué de les garder ouverts. J'ai les yeux qui pleurent. Elle est vraiment très forte, elle sent vraiment pas bon. Plus qu'à attendre, je vais laisser poser 40 minutes et je reviendrai donc vers vous après. Elle arrache, clairement. J'ai les yeux défoncés. Ça m'a... Ouais, elle est très 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 forte. Je suis en train de chercher s'il y a de l'ammoniaque ou non. Parce que dans mes souvenirs, celle qui piquait vraiment comme ça, c'était celle de l'ammoniaque. Donc oui, il y a de l'ammoniaque. Voilà, c'est pour ça qu'elle piquait autant. Donc j'ai plus l'habitude, c'est pas grave, j'espère juste que le rendu sera beau. En tout cas la couleur est bien rose, donc on verra le rendu. Ça m'inquiète un petit peu parce qu'au final je pensais sortir plus rousse. Et finalement je me dis si c'est trop je vais sortir vraiment rose et ça me dérange pas. Mais j'en connais un qui sera beaucoup moins content. C'est pas grave, on verra ce résultat, ça va être encore une fois un suspense jusqu'à la fin.
Donc voilà, je vais laisser poser, comme je vous ai dit, 30-40 minutes, je sais pas trop, on verra. Je vais regarder l'évolution. Ensuite, je vais aller rincer donc avec le soin préférence, qui est le soin fourni avec, tout simplement, qui va très bien, parce que pour le coup, je suis encore une fois, je le dis, mais je suis habituée à cette gamme, et ce soin va super bien. Il fait plusieurs utilisations aussi, et je vais tester autre chose, c'est-à-dire qu'après avoir rincé le soin, je vais essayer ça. Voilà, et pardon, j'ai vraiment du mal, j'essaye de me dépêcher, mais... donc je vais essayer ça, c'est le Fructis Air Food Banane, le masque nourrissant. Je l'ai encore jamais testé, j'ai testé celui à la pastèque, il sent juste super bon. Mais du coup, voilà, la banane, tout le monde en parle, donc je l'ai et je vais le tenter, et je vous dirai du coup ce que j'en pense une fois mes cheveux séchés. Donc, je vais laisser poser, je lave mes cheveux, je sèche mes cheveux et je reviens vers vous. A tout de suite. Du coup, avant de vous montrer de près le résultat final, petit retour sur le masque Banana Air Food de chez Garnier. Et c'est une tuerie. Alors autant en odeur qu'en application et qu'en résultat, parce que j'ai vraiment les cheveux très doux. Je l'ai laissé poser une petite minute, 30 à peu près à peine. C'était juste histoire de dire voilà... Donc voilà, franchement j'ai rien à dire, il est vraiment top. Et pour ce qui en est de la couleur, je vais vous montrer ça tout de suite. Voici donc le résultat espéré et voici le résultat obtenu. Alors je le répète encore, mais ce fichu rendu caméra est toujours plus intense ou plus foncé. Et là en l'occurrence il est plus foncé que ce que j'ai. J'ai la teinte du coup un tout petit peu plus foncée que la demoiselle sur le... sur l'emballage puisque j'étais dans les plus foncés. Voilà, moi je faisais partie de cette gamme là et donc forcément du coup je suis un petit peu plus foncée que le résultat. En tout cas bah, je suis trop contente parce que c'est bon, c'est le résultat que j'espérais. Je ne suis pas rose, je ne suis pas rouge, je ne suis pas violette. Si vous croisez ma communauté Instagram, dites-leur que je les aime et que c'est les meilleurs et que je suis désolée de les avoir abandonnés lâchement comme ça en plein live. J'espère qu'ils m'en voudront pas, je vous aime quand même. J'espère que vous m'aimez quand même aussi du coup. Tout ça pour dire que du coup je suis vraiment contente de la couleur. Je vous la conseille. Alors oui il y a de l'ammoniac, oui elle sent fort, oui elle pique les yeux. Mais pour être honnête le rendu est top. Donc je m'en fiche qu'il y ait de l'ammoniac si c'est pour avoir ce que je voulais. Donc on verra jusqu'à quand je garde ça. Mais pour l'instant ça me va très bien. Donc je le répète c'est la 723 Bali Dark Rose Gold. De toute manière... je mettrai le nom dans la bio et dans le titre, hein, donc, enfin dans la description, dans la barre de description. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, peu importe. Il n'y a aucun problème, j'y répondrai, même en privé ou voilà. Donc écoutez, bah, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère vraiment que ma communauté ne m'en voudra pas. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, ça a été extrêmement rapide par rapport à d'habitude parce que je n'ai plus de mémoire dans mon téléphone, il va encore falloir que je fasse beaucoup de tri. Bref, voilà, je m'arrête là, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous remercie encore d'avoir été là, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et vous abonner, ça m'aide vraiment. Et voilà, si vous n'avez pas aimé, je disais dans ma dernière vidéo, ne faites rien, mais vous pouvez très bien aussi donner des commentaires, enfin... mettre un commentaire constructif, voilà, mais si c'est pas constructif, abstenez-vous, ça ne sert à rien. Voilà, j'ai fini, c'est bon, j'arrête là, très bonne journée à vous, merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo.